Qu'est-ce que la médiathèque vous a apporté dans vos cours? Ça m'a apporté plein de choses. Pourquoi? Parce qu'on manque de matériel à Madame. Donc avec la médiathèque, on peut simuler des expériences, on peut montrer aux élèves comment on prend par exemple pour déterminer l'équation de trajectoire, comment on fait pour les différentes réactions et tout, pour simuler les réactions. Des fois on a besoin d'autres exercices, des fois on a besoin d'autres supports de cours. J'utilise à fond la médiathèque, c'est la médiathèque qui nous apporte tout ça, quoi. D'accord. Donc ça a changé votre façon d'enseigner ces trois dernières années? Ça m'a soulagée vraiment. Et de plus, hein, j'ai plus tellement, parce qu'on manque aussi de livres là pour les élèves. Donc avec la médiathèque, c'est résolu. Hein. On l'utilise, on met les élèves devant l'ordi, on leur dit, voilà, vous prenez telle ou telle page, ils vont regarder à travers ça et puis on va utiliser. Et est-ce que vous l'utilisez en faisant venir vos élèves dans la salle de la médiathèque et vous leur faites cours dans la salle de la médiathèque? Ou est-ce que vous les laissez plus utiliser en petits groupes la médiathèque? Plutôt, ma façon de faire, c'est que j'essaie déjà d'expliquer un peu dans la salle de classe. Et après, on les fait venir ici et après, on leur dit, prenez telle ou telle page. Et des fois, j'imprime les exercices, je leur donne dans la salle, ça dépend en fait. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé et ça soulage et moi et les élèves. Et qu'est-ce que vous voudriez dire à d'autres professeurs pour leur donner envie d'utiliser la médiathèque? Je leur dis que voilà, c'est une trop bonne chose. Pourquoi? Parce qu'avant, on a besoin de chercher des livres pour tous les élèves. On a besoin même de copier ou de dicter. Là, ça soulage. Et pour expliquer certaines choses, maintenant, on peut leur mettre devant l'ordi, on leur montre et puis on explique un petit peu. Sinon, on leur demande même de chercher. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça incite ces élèves à retravailler, à réfléchir un peu plus, à être plus scientifiques, quoi. Donc, c'est une très bonne chose. On remercie vraiment ceux qui ont donné ces ordinateurs, ceux qui ont donné l'Internet, l'accessible. Merci. Je vous remercie beaucoup.